Tu m'expliques où tu es? Je suis dans la cuisine. Oui, mais de quelle maison? Et donc, c'est quoi? C'est une cabane ou un chalet? Un chalet. Ah oui, bah, il est bien, hein? Ça va, t'es bien à l'intérieur? Bon. Donc, t'es bien équipé, hein? T'as de la chance, hein? Tu vas pouvoir inviter tes copains. Qui tu vas inviter? Papa et maman cet après-midi, Oui. ils sont déjà l'invitation, il faut qu'ils donnent leur invitation, sinon ils pourront pas venir. Il faut donner le papier pour que je signe qu'ils sont là. D'accord. Bon, bah écoute, t'as une belle cabane, hein? Oui, t'as un beau chalet. Et qui te l'a fait? Ah, super! Non, le seul pleureur que j'ai fait couper, qui est là en dessous, sur lequel la cabane est sur un arbre, hop, comme ça, de chaque côté. Toc. Faut bien pousser et tu le mets dans l'autre sens. Voilà. Ça, c'est le verrou de la porte. Allez, vas-y, tu mets dans le trou. Voilà. Impeccable. Comme ça, la porte va plus se fermer. J'ai mes bottes dans ma petite maison. Mais bien sûr, il faudra nettoyer les chaises. Oui, bah tu vas faire ça tout à l'heure. Tu vas prendre de quoi nettoyer. Tu vas venir le faire, non? Oui. Et tu sais ce qu'on va faire? On va chercher une balayette. Parce que là, c'est une balayette qu'il faut pour nettoyer. Hein, quand tu veux nettoyer, d'accord? Un balai, c'est trop grand. Hein. Bon, ben, c'est bien. Alors, tu vas faire la peinture? Il y aura du blanc partout. Après, je vais peindre comme dans la nature. D'accord, ok. On va commencer par un fond blanc, alors, c'est ça? Et après, tu vas peindre ce que tu veux, c'est ça? Oui. Et bon, ben, c'est super. Écoute, une belle maison comme ça. Waouh! On a une belle vue d'ici. T'as une belle vue? Oui. Bon, ben c'est bien. Viens, papa. Allez, je monte. Mais je rentre pas parce que j'ai encore les chaussures sales. Hein. Hop, une petite poignée pour se tenir. Ah, deux petites poignées, bah oui, il y en a qui sont plus petits. Hop, Et et je regarde la vue pour voir. partout, Ah! partout, partout, c'est partout et aussi par là, Ah, par là, par là, je vois que tu as commencé à creuser ton bassin. Il y a le sol pleureur qui est planté. Le bassin est là. L'ancien sol pleureur est ici. Oh là 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 là. Ah, il y a encore du travail. Hein. Faut ranger tous les détritus de la construction du chalet. Mais bon, le plus gros est fait. Hein. Il reste les petits bouts de bois. Dans la nature, les petits bouts de bois, c'est pas un problème. Hein. Et des gros bouts de bois, Ah, là, comme c'est ce des gros tas de bouts de bois. bois. Ouais, là, c'est des gros bouts de bois, c'est sûr. Et où on va le mettre? Bah, dans le feu, quand il sera installé. Donc, bien sûr, il faut les recouper. Hein. Bon, ben voilà. Allez, je te laisse, Timothée. Dis au revoir, tout le monde. Allez, ciao.